Et salut à tous, on se retrouve pour cette 35e partie de Pokémon Nameless. Aujourd'hui, on va continuer les légendaires. Alors, je sais pas combien exactement on va en faire, puisque je vais un peu changer ma manière de faire. Parce que les épisodes super longs, 4 légendaires et peut-être pas de capture. Enfin, 35 minutes pour 20 minutes parfois sur un légendaire. Bref, j'ai changé ma manière de faire pour avancer plus vite et peut-être faire plus de légendaires et finir, entre guillemets, plus vite cette aventure. Puisque là, le jeu est terminé, c'est la capture légendaire que quand même je veux faire. Mais je veux pas trop traîner en longueur, j'aimerais continuer d'autres jeux, démarrer d'autres jeux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que quand on sera contre un Pokémon légendaire, qu'on l'aura amené dans le rouge et qu'on l'aura paralysé, eh bien, je mettrai pause, j'utiliserai plein de PP et après, je vous retrouverai pour quand il y aura voilà, une vingtaine, trentaine de tours passés. Je pense que ce sera mieux. Du coup, on va essayer de faire peut-être toute la quatrième génération, là, les trois créés, Dialga, Palkia, Giratina, Shaymin. On va essayer de faire tout ça. Bon, on va commencer par les créés elfes et compagnie, ils sont très proches l'un de l'autre en plus, du coup ça peut être pas mal. Alors, vous êtes dans la région de Land, d'accord? Vous allez au palais du prophète. Au palais du prophète, c'est là où en fait c'était la fin, on va dire, de la région de Land, parce que il y avait les quatre prophètes, les quatre ermites, pardon, et il y avait même un dernier à la fin, je crois qu'il les avait battus juste avant nous, enfin voilà. C'est ici. C'est un peu sur la gauche de la carte, de la région. Vous descendez. Alors, il vous faut les stats level max. Hein. Je sais plus lesquels exactement. Mais c'est mieux pour vous d'avoir les stats level max. Ok. On va commencer par au pif. Hein, je sais plus. Vous descendez. Toujours tout droit. Et là, vous allez arriver ici. Sauf que okay, vous pouvez voir Créfadel. Non, c'est Créfolet à lui. Sauf que vous pouvez pas l'atteindre. Du coup, vous passez par là. Alors, je sais plus si ça le fait automatiquement, ça vous met en dessous de lui. Ouais, ok. Je sais plus s'il y avait une petite zone. Et voilà. Du coup, on va mettre toujours notre cher Sylvalier. Quoique là, c'est un peu dangereux. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on va faire. Niveau 70, ça va. Ça va, niveau 70. Donc, alors, je sais pas si c'est des Pokémon qui ont soin, ça. Tile Glow. On augmente l'attaque spéciale. Ça peut être moyen un peu, non? Ça peut être moyen. Aéropiqué. Extra ascenseur. Ouais, ça peut être vite moyen. Bref, j'ai déjà dit moyen. On a compris. Ça peut être compliqué. Je sais pas trop qui mettre. Lockpin avec un petit point karaté. Charme. Ok, il nous baisse attaque en plus. Petit point karaté. Ouais. Un deuxième. Voilà. Là, il utilise ses 4 attaques. Il a pas soin en plus, donc c'est pas mal. Je vais faire pause et je vous retrouve quand j'ai fait plein de tours. Bon, là, je crois que j'ai pas mal de tours qui sont passés. On va commencer tranquillement à lancer les balls. Alors, j'ai utilisé tous mes hypnoses avec Elus. J'ai utilisé quelques clairvoyances. Il y avait quelques tours qui étaient déjà passés, donc je pense qu'on est pas mal. Ah mince. Ah mince. Bon, c'est pas très grave. Juste pour vous dire... non, je vais pas commencer à faire le bilan, je le ferai plus au dernier épisode, mais je ne vais pas donner l'impression que je me débarrasse du jeu. J'apprécie beaucoup, mais là c'est la capture des légendaires, le jeu, le scénario, je l'ai vécu et j'ai adoré. Mais là, c'est vrai que j'aimerais me donner à fond, par exemple, sur Cops, où vous retournez sur les captures sur les vidéos découvertes. Et là, c'est vrai que avec le temps en plus en moins, et voilà. Pour l'instant, il faut que je finisse ce jeu et c'est vrai que j'ai envie de donner un petit coup d'accélérateur. Mais voilà, ça n'empêche pas que j'apprécie ce jeu, évidemment. Je voulais juste préciser ça. Timer Ball, j'espère qu'on aura... Enfin, j'espère qu'on a de l'argent. Mais j'allais dire, je me demandais si on allait avoir besoin d'en racheter. Mais c'est parce que je compte pas quand il tourne. Il n'y a pas l'habitude que je le fasse. Ok. On va se soigner. Alors, il y a de la marge pour qu'il fasse lutte. Hein. J'ai appris de mes erreurs avec l'épisode précédent. Je laisse de la marge pour que les Pokémon se fassent lutte. Parce que les Regirock qui sont suicidés, c'est assez un peu malheureux. Eh ben, je pensais pas qu'ils allaient être si difficiles à attraper. Ceux-là, c'est des petits Pokémon inoffensifs. 2, 3, ouais, c'est bon. Très bien. Mesprit, tu es à nous. Ah, mais ils sont affichés dans le Pokédex. C'est drôle. Ok. Premier Pokémon, c'est fait. On va donc pouvoir passer à la suite. Ils sont juste à côté. Hein. Ça rend pas très très loin. Est-ce que je vais pas me soigner par contre? Ouais, je vais peut-être aller me soigner. Ouais, je vais utiliser un autre pouce. On va partir sur la gauche. Juste. Je vais aller me soigner, hein, vous inquiétez pas. Mais on va quand même partir sur la gauche. Voilà, ça s'est créé.
Ah, c'est écrit quoi, ça, je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Bon, de toute façon, je vais aller me soigner. Allez, on est reparti. Bon, Créfadet, Créfolie. Non, je pense que ça, c'est Créfadet. Non, Créelf. Azelf? Ouais, c'est sûrement Créelf. Bon, ça devrait aller aussi, hein, ça va être un peu la même technique. Je pense que les stats, elles sont. Ouais, est-ce qu'elles sont différentes? Peut-être un petit peu quand même. Ok. Ok. Non! Bah écoutez, je vais pas sauvegarder. Écoutez, c'est son choix. C'est son choix d'agir ainsi. Ah, j'avais pas pensé qu'un Pokémon comme ça aurait Damoclès. Alors là, ça m'a. Non. Bah, de toute façon, des Pokémon qui ont Damoclès, c'est dur de les combattre. Parce que si tu les affaiblis, bah, voilà, ils font Damoclès, ils vont vite se mettre KO eux-mêmes. Mais si t'attends qu'il s'affaiblisse lui-même avec Damoclès, c'est pas gagné, hein, à mon avis. Bon, non plus que toi. Non plus que toi, donc, vous voyez, il y en a un en bas, il y en a un à gauche, un à droite. Oula, ma voix s'est cassée pendant un instant. Donc, ils sont pas bien difficiles à trouver. On est parti pour le dernier, et ça, c'est Uxie. Crifad, j'en sais rien. Non, pour moi, c'est Crifadet, du coup. Ouais, ça doit être Crifadet, bref. Taiglo, ok, t'es plus du genre de cheveux roses. Et repiquer, d'accord, tranquillement. Ah, je vais peut-être me soigner un coup après. Ouh, ouais, parce que là, le. C'est quand même beaucoup augmenté l'attaque spéciale. Mais en fait, c'est quoi? C'est une sorte de machination? Parce que normalement, il n'y a qu'une Astiplot, il me semblait qu'il faisait ça, mais. Bon, par contre, il fait que extra sensor. Là, il traîne pas. Il n'y a pas de. Je suis paralysé. Je. Oh! Oh non! Oh non! Bah là, les coups critiques, j'en fais très rarement. En vrai, pendant la capture des légendaires, j'en ai fait que très rarement. Donc c'était vraiment pas de chance. Mais je n'ai pas sauvegardé. Bon là je vais sauvegarder. On va essayer quand même pour les prochains de pas faire n'importe quoi. Donc là je sauvegarde. Enfin je sauvegarderai devant les légendaires. Maintenant on va faire ça. Si c'est des morts par coup critique, non. Si c'est des morts comme j'ai fait avec les autres. Hein. Si c'est des morts par Pokémon suicide, on va dire. Eh bien c'est tant pis. C'est le jeu, mais si c'est coup critique, non. Non, je refuse. Je refuse. Bon, on va faire un truc aussi. C'est qu'on va prendre l'œuf avec nous. Cet œuf-là que j'ai évoqué, enfin qu'on a regardé la boîte des légendaires. Celui-là. Pas le mauvais œuf, hein, celui-là. Alors, mauvais œuf qui est là pour. Je ne sais pas quelle raison. Mais bon, c'est la vie. Je sais pas qui mettre. Y a qui peut faire que attaquer de toute façon? Non, ils ont tous une attaque non offensive au moins. Bon, allez, désolé Floramanti, enfin Tsitsipas. Allez, je te mets dans les légendes pour la peine. Je te mets dans les légendes pour compenser. Bon, on va aller chercher maintenant les Dialga Palkia. Alors, on va commencer par Dialga. Il fallait parler à quelqu'un du Chestnut Adventurer Club, donc vous allez voir. C'est la maison des aventuriers Chestnut Town, c'est ici. Voilà. Donc, l'île qui est débloquée en parlant à cette personne. Elle est pas loin, donc c'est tout en bas à droite, c'est celle-là. Juste, on va rapidement repérer le club des aventuriers. C'est des maisons avec des panneaux, quoi. Trouver une maison avec des panneaux, voilà. Adventurer Club, vous parlez à tout le monde là-bas et vous trouverez. Alors, je crois que c'est. J'avais vérifié, hein, de toute façon, je l'ai déjà trouvé, mais je me rappelle plus exactement. Je dois être sur la droite par là, non? Non? Ah non, c'est ici. C'est juste un petit peu au-dessus de la ville. Unknown place. Je les ai bien soignés ou pas? Ouais. Ouais. Non, non, il y avait du KG clair. 18 sur 20. Et du. Bref. Bon, ça ira. Ça ira, ça ira. Ok, du Djokovic. Ah non, non, c'est pas son nom. Non, ça c'est non, c'est son nom de code, bien sûr. Djokovic, c'est une autre. C'est une autre qui nous a quittés depuis qu'on a eu Elus, hein, c'est ça, il me semble que je l'ai remplacé par Elus. Mais j'aime bien Elus aussi. Ça a changé un petit peu, hein, ça fait une équipe un peu originale. Après, quoique originale, peut-être tous ceux qui ont fait le jeu et qui ont reçu Elus l'ont mise dans leur équipe. Alors, je crois qu'il faut aller sur la droite. Non, j'en sais rien. Ok, on s'approche. On s'approche. Là, les escaliers se resserrent et Dialga. Dialga. Bonjour Dialga. C'est parti. Alors, là, j'aimerais juste voir combien de temps j'en suis. Dialga, Dialga, tu es pas si gros en vrai. Hein. J'ai l'impression que ton avatar, ton sprite de monde réel, enfin de monde réel dans le jeu, quoi. Il fait plus de d'islam. Alors, juste. Ah, on va faire aéropiquer sa femme. Oh là là, mais
C'est quoi son délire avec les super les coups critiques là? Hein, j'ai pas soigné devant Dalgar. Donc là, la confusion, de toute façon, j'ai mis que ça faisait partie de des suicides de Pokémon, on va dire. Donc c'est malheureux, mais on va faire du Thunder Wave. Là, je vous garde un petit peu parce qu'à tout moment, je peux le perdre. Donc je vais vous garder un petit peu. Hein. Je vais pas faire passer les tours. Outrage, parce que il en a 10. Ouais, non, je peux pas l'attaquer. Je vais attendre qu'il s'affaiblisse lui-même. Et je vais me soigner. Ouais. Ouais. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu, on va commencer à les lancer, mais j'y crois pas trop. 2. Oh, j'ai cru un peu. Mais non, mais pour une fois, je veux pas qu'il soit confus. Ah non. Allez, s'il te plaît. 0. Là. Ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très très vite. Si ça se passe comme ça à chaque fois. Bon. Palkia. Il faut aller à Ceratoid's Tarn. Alors, Ceratoid's Tarn, c'est là. Si je me trompe pas. Ah non, c'est là. Ouais, c'est ça. Du coup, une ville au-dessus du désert. Trouvez ça. Une ville un peu au-dessus du désert. Donc, c'est celle-là. Il faut trouver quelque chose pas loin. Alors, on va juste. Je vais aller à Ceratoid's. Ah bah. C'est quoi ça? Ceratoid's Inn. C'est l'auberge Ceratoid's. Juste aussi voir Club des Aventuriers. Ah non, à moins que ça soit dans le Ceratoid's Inn. Ah non, elle est tout en haut. Ah oui, elle est tout en haut à gauche. Je vous laisse te trouver. Attends, là, en passant par là, je pense qu'on peut tomber sur l'Adventurer Club. Ah voilà, c'est à gauche. En fait, il faut monter par un des escaliers de droite. Vous faites tout le tour. Alors, je sais plus ce qu'il y avait à obtenir par ici. Vous faites tout le tour et vous allez arriver tranquillement à un moment donné sur cette maison. Voilà tout. Alors je peux pas. Ah, décidément. Voilà donc, envolons-nous. Envole-moi, comme dirait Jean-Jacques, pour Ceratoid's île inconnue. Ça devrait être un peu au-dessus. Attendez. Ah, ça doit être ça, je pense. Et du coup, on devrait avoir Palkia ici. Non, oui, Palkia. Normalement, Palkia. Alors, je sais plus exactement. Pareil, faut fouiller, hein, y a pas de chemin prédéfini. C'est un peu plus brouillon que l'île de Dialga. Ok, on monte par là, c'est pas mal. Tant que je peux monter, c'est bien. Je pense qu'on est quand même bloqué à un moment donné. Donc si, c'est un peu prédéfini. Oh, j'ai entendu un cri de Pokémon, mais je sais pas si c'était juste la musique ou si c'était le cri de Palkia. Ah, il est là. Mince! Comment on peut l'obtenir? Mince! Non, je crois qu'on aurait vraiment dû aller à gauche dès le début. Attends. Là, il faut encore descendre. Mais on est revenu au point de départ. Ah, voilà. Et là, on passe par là. Comment? Quel est ce maléfice? Non, mais. Je suis bête ou quoi? Je suis sûr qu'il y a un truc, j'ai pas saisi. Du tout. Mais là, je peux pas. Mais. J'ai bien. Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je suis sûr d'avoir déjà réussi à l'atteindre en plus. Dans mes recherches, dans mes tests. Je suis sûr d'avoir déjà réussi à l'atteindre. Comment c'est possible tout ça? Bon. J'ai toujours pas trouvé. J'ai fait une petite coupure. Ah! Ah, voilà. Bon, bah écoutez, il fallait faire une pause, hein, finalement. C'était bien ça. Il fallait me ressourcer, me recentrer sur moi-même. Non, j'ai pas sauvegardé. En fait, j'étais en train de me dire, depuis le début de la capture légendaire, je fais des captures comme ça. Donc, pourquoi je l'ai pas fait. Enfin, des captures de sauvegarde comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas refait avant. Bon, c'est pas très grave. Allez, Dragon Pulse. Ah, il fait mal. Niveau 70. Ok, là, il faudrait quand même réussir à l'affaiblir un petit peu plus. Je vois pas trop comment. Attends. Charapora. Séisme, ça fait quoi comme dégâts? Non, séisme, je le mets KO. Avec séisme. Ouais. Ça compte pas. Vous avez rien vu. Je fais des tests.
Ah, Sharapova avec lance-flamme. Non, il ne va pas le mettre KO, c'est tellement peu efficace. Voilà, la flamethrower. Ça devrait aller. Oui, tranquillement. Ah mince, par contre, il a... Bon, on va lancer les timer balls. Zéro, très bien. Confuse, attaque-moi. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, mais il faut que je mette un Pokémon Fée, comme s'il arrête de faire ses colères. Je viens d'avoir une illumination. Ok, il est Snapped of Confusion. On va mettre Primarina. Et là, il va plus faire de... Normalement. Il va plus faire de colère. Donc on est bien. Ouais, on est pas mal là. Bon, je pense qu'on va réussir à l'attraper. Je vais laisser passer quelques tours. Bon, j'ai fait une quinzaine de tours en plus, mais j'ai peur qu'il se mette vite à faire des luttes. Parce qu'il a Hydrocanon. Bon, alors 5 PP, c'est terminé. Colère, je crois qu'il y en a 10. Aura Sphère, il va bien y en avoir 10 ou 15 au pire, mais bref, il en a fait pas mal. Et du coup, je peux pas commencer. Il a été paralysé 2-3 fois, mais pas terrible. Donc on va commencer à lancer les Timer Balls. Il y a une vingtaine de tours, j'ai dû faire, je pense. Bon, pas trop chaud apparemment. Ah, Dragon Pulse. Tiens, on avait pas trop vu cette attaque. Bon, il lui en restait une en stock, hein, finalement. Allez. 1, 2, 3. Dommage. Ce serait bien qu'on en attrape un aujourd'hui. Je crois vraiment qu'on n'a pas attrapé ici, attends. Yuxi. Si, dans les 3, on en a attrapé un. Je crois qu'on a attrapé Yuxi. Mais non, mais tous les trucs de psy là, Yuxim, Esprit, Azelf. Ah non, Azelf avait fait Damoclès, on l'avait pas eu. On en a eu. Je sais plus. Mais si, et la première, on l'a eu, je crois. Ouais, on verra ça à la fin. Mais vous voyez, là, il fait que des Dragon Pulse. Donc c'est qu'il est sûrement sur la fin avec ses autres attaques de trop. Ah, dommage. Ok, paralysé, ça nous fait un tour de plus, ça nous fait un peu de répit, de repos. Zéro. Paralysé, très bien, merci. On a un peu de chance. Hein. Allez, Palkia, viens avec nous, s'il te plaît. Hein? Non. Dragon Pulse encore une fois. Allez, mon petit Palkia. Hein? Dommage. Outrage, ok, il en a encore quelques-uns, donc ça va, ça me va. 2, 3. Oui, bien. Palkia, merci. Ah, et Megarna juste après. Ok, ciao. Au revoir Palkia. On va aller récupérer. On va aller récupérer Shaymin et on finira par Giratina. Parce que en fait, Shaymin, je le fais à la suite puisque c'est dans la liste que j'ai fait, il est à la suite. Et il est aussi sur une île qu'on a débloquée en parlant à un club des aventuriers. Celui-là, c'est celui d'Alocasia Adventurer Club. Donc, on va retourner à Alocasia, hein, c'est la ville de départ. C'est. Mince. Ah oui, mais oui, je suis totalement à droite, donc je suis plus dans la carte après. Et on met le repousse toujours. C'est ça, non, c'est pas ça l'Occasia Town, pas du tout. C'est ça l'Occasia Town. Non, ah non, on est bien sur la droite en fait. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais aller me soigner déjà. Et aussi, on va rapidement voir où se trouve l'Adventurer Club. Pour que vous sachiez où le trouver, quoi, ou à qui parler. Alors, il me semble que c'est vers la droite. En haut à droite, non. Si je me fie à ma mémoire, pas du tout en fait, de toute façon. Mais... Non, bon, ok, c'est au milieu, c'est à gauche en fait. Rien à voir. Et vous parlez à une de ces personnes, je ne sais plus qui c'est précisément, mais vous faites connaissance, vous discutez autour d'un petit verre. Oh, désolé, téléphone qui sonne, c'est pas le mien, mais je vais raccrocher. 01, c'est de la pub sûrement, parce que là où j'habite, c'est 04 les fixes. Enfin 01 c'est... Non c'est pas Paris ou je sais pas. Alors bah voilà, c'est juste à côté. Je crois que quand j'avais testé, il me semble qu'il était pas si difficile à trouver Shaymin. Alors il s'agit encore de partir du bon côté au moins. Ça c'est pas gagné. Ah ok, il faut sûrement arriver sur cette île. Ah ok, je suis parti du mauvais côté. Là je pense qu'il faut monter là. Et après on a la petite île avec Shaymin dedans, très bien. Très très bien, bonjour Shaymin. Niveau 50, ça va pas être gagné hein, par contre. Je sais pas trop quoi faire contre. Ok, une Loomberry. Bon, refait. On peut trouver le. Oh non, mais je me déparalyse, hein, j'ai que ça à faire de toute façon. Vampigraine, ok. Ça me saoulait.
il va être gonflant avec Vampigraine aussi. À tout moment, je peux le mettre KO sans faire exprès. Point de combat. Ah, il y a Synthèse, alors il va être au rouge. Ok, on peut pas faire mieux pour l'instant. En plus, il se récupère un max de vie. Ok, on va changer comme ça, au pire, il utilise pas mal ses... Bon, bah, on va lancer une ball aussi. Au passage, Celebi avait été très facile à attraper, donc il a le même taux de capture que Celebi. Leech Seed. Ok, ça me va. Là, on peut remettre le Lockpin. Et il est paralysé. Et je pense qu'on peut refaire un Karate Shop. Et je l'ai mis KO. Et j'avais pas sauvegardé. Assez possible que je fasse preuve d'un peu moins de prudence que les autres épisodes. Bon. C'était pas mon terme. Je pensais vraiment que ça allait être assez. Il me semblait qu'on avait enlevé un peu les trois quarts. Ou les deux tiers. C'est pas vraiment les choses. Mais... tant pis. Bon, on va aller chercher Giratina qui se trouve pas dans cette région. Donc il nous faut retourner à l'Ocasia Town. C'est pas très loin, ça tombe bien. Et prendre le bateau jusqu'à la région de Tyron. On va aller à Tyron. De toute façon. Allez, c'est Spiral Island, ça marche là aussi. Bon. L'important c'est de revenir dans cette carte où on peut s'envoler pour le Orange Village qui est juste en dessous. Donc, voilà, très bien. Et le Giratina se trouve dans la cave orange, tout simplement, du Orange Village. Cave orange qui se trouve juste là. Alors après, je sais plus comment on fait pour l'atteindre. Je crois pas que c'était bien difficile. Bon, ça c'est tous les dresseurs qu'on a déjà fait, je crois. Moi, ouais, je sais que je l'ai fait dans mes recherches. Je sais plus s'il y avait un puzzle. Pour l'instant, j'ai pas trop de souvenirs qui remontent. Passons par la droite. Non, c'était par la gauche, évidemment. Alors ça, c'est typique. Quand je vais, par exemple, dans une caisse, dans un magasin, un supermarché, souvent, c'est là où il y a le plus de monde, et que je choisis une caisse, vous pouvez être sûr que c'est celle qui va avancer le plus lentement. Mais c'est pas en mode, ouais, quand on change de fil, ça avance d'un coup plus lentement, non. Peu importe la caisse que je prends, il y a un problème. Soit quelqu'un qui a pas sa carte, soit quelqu'un qui... il y a un article qui passe pas, soit quelqu'un qui veut faire passer ses promos, et bien tout le temps, tout le temps. J'ai une sorte de malchance avec ça, c'est terrible. Du coup, quand je suis avec quelqu'un et que on décide de la caisse à laquelle aller, et ben on dit alors moi je choisirais celle-là. Donc allons plutôt à l'autre. Voilà, ça se passe comme ça. Bref, peut-être sauvegarde, hein, c'est pour jamais. Giratina, ça pourrait être cool de l'avoir. Quoi ? Niveau 55. Ah bon ? Ah bon ? Tu fais du niveau 55, toi. Déçu un peu par Giratina. Bon, à niveau 70, ça aurait été le minimum, non ? J'entends pas. Alors, on va faire la tentative. Je me souviens parce qu'on a sauvegardé. Hein. Tentative, mais je pense pas. Ouais. J'avais que très peu d'espoir, mais. J'avais raison, hein. C'était justifié. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. À moins qu'à un moment donné, il me baisse mon attaque, mais j'ai pas l'impression qu'il ait de rugissement, quoi. Giratina, quand il rugit, il crée une dimension plutôt, non. Donc, apparemment, il peut pas m'attaquer. Non, il m'a fait quoi? Il m'a fait mal avec quoi alors? Ah, il a pression, non? Je suis en train de me dire. Ouais, bah on va laisser les tours passer. Je sais qu'il est dans les oranges, mais. Mais comment il m'a fait. Non, mais c'est pas lui qui m'a fait des dégâts là. Attendez, juste. Séisme. Dans le doute. Séisme, non, ça le défonce. Bah oui, bien sûr, c'est plus fort que Aéropiqué. C'est la même situation, quoi. C'est normal. Donc, non, pas séisme, évidemment. Lockpin. Séisme. Aucune idée de quoi faire. Attends, et si on fait ça, voilà. Du coup, on a fait un petit clairvoyance. Si je fais un karaté choc. Ok. J'ai compris la leçon. Je vois pas comment l'attaquer. On va tester Sharapova. Sharapova qui a lance-flamme. Tu peux peut-être faire un truc. Non. Non, totalement non. L'œuf, il veut pas éclore d'un coup en plein combat et je le mets. Et... écoute, sinon une Master Ball pour lui en vrai, parce qu'il nous reste qui je sais pas, parce que j'ai une dernière Master Ball, j'ai pas décidé pour qui je voulais l'utiliser. J'ai pas trop de retour sur ça, j'avais demandé, mais on m'a pas trop répondu. Il reste Kyurem, Jansi, Meltan. Bon, Meltan, non. Kyurem, Jansi, non, pas forcément.
Miou, peut-être? Zacian, Zeraora, Magearna, Zamazenta ou Necrozma. Necrozma, ça peut être bien, non? Pourquoi pas? Magearna, non. Moi, ce serait Necrozma. Mais en fait, Zacian, Zamazenta, comme ils sont en duo, je peux pas choisir lequel. Donc, je peux pas utiliser un Master Ball pour eux. Ça pourrait être stylé, mais je peux pas. Donc, Necrozma ou Mew. Mew, ouais, Mew et Mewtwo, les deux Master Ball. Allez, c'est bon. J'ai pas besoin de votre avis. Non, mais je pars sur Mew parce que. Pour vraiment faire le duo, quoi. Ouais, alors c'est une timer ball, je sais pas pourquoi là maintenant, je suis pas sûr que ce soit très utile. Oh, ça a fait un au moins. Déjà, c'est déjà pas mal. On va. De toute façon, je pense qu'on va remettre. On va remettre Sylvally. Au moins, je me prends pas. Ah si, c'est avec Aurasphere que vous avez fait des dégâts, évidemment. Ouais, on va remettre Sylvally. Ah, mais avec le gros cerf et. Il a Shadow Punch, Shadow Ball, Aura Sphere et c'est. Ok, ouais, c'est bien un bon Pokémon offensif. Bon, on va pas soigner toutes les 2 secondes. On va utiliser des Foresight. Et puis. Puis on attend, je sais pas. Ouais, on va essayer d'attendre vraiment un maximum. Bon, on va poursuivre là, je vous garde avec moi. On sent tout de suite la différence hein, de longueur de combat. Ok, on en a utilisé 6 pour l'instant. Mais la pression, c'est pour ça qu'on en a 12. Utilisé. Ok. Mais non, mais je suis type normal aussi. De toute façon, c'est la même situation que pour Sylvally, je suis en train de me dire. Ok, là, on commence à avoir pas mal de tours utilisés. On va tenter une petite timer ball. On va voir ce que ça donne. 1. Ok. 1. C'est assez neutre. C'est pas non rond, mais c'est. Voilà. Tu as encore du temps à passer à attendre pour pouvoir m'attraper. Là, on va utiliser une hyper potion. Faudra que je m'en rachète. Hein. On a un peu de marge, mais bon. Hein, voilà, on assurera le coup quand même. Bah, du coup, je pense que le prochain épisode, si je fais comme ça, ce sera le dernier. Hein. On va finir tout ce qui reste au prochain épisode. Ça veut dire Keldeo, bah, le temps qu'il est close. Keldeo, Kyurem, Diancie, Meltan, Mew, Zacian, Zeraora, Magearna, Zamazenta, Necrozma. Ah ouais, dit comme ça, Emilio-Eta. Ouais, dit comme ça en fait 10 encore. On verra. On verra. Ça fait beaucoup de 10, non? On en a fait combien en soi? On en a fait 7. On a fait 7. Ouais, après, pour un dernier épisode, moi j'aime bien faire des gros épisodes. Donc ça me dérange pas tant. Ouais, c'est possible que ça soit le dernier, le prochain, je pense. C'est possible que ça soit le dernier. Ok. Earthquake. Bon, on a plus de, ouais, on a plus de clairvoyance, c'est qu'on a utilisé beaucoup de machin chose. On va se soigner. Et là, on est aux 30 ou 40 tours. Là, je peux pas faire mieux, hein, je pense. Et Timer Ball, Giratina. C'est à un moment donné, il commencera à faire lutte, donc ce sera un peu plus facile d'attraper peut-être. 3. Ok. Bon, le bon, on l'a attrapé. Très bien. Ouais, pas de nickname. Si celui-là, on va s'occuper. C'est Meloetta. Vous allez me dire rien à voir un peu, mais. C'est juste que je l'ai mis dans la liste normalement avec Uxie et compagnie. Du coup, ah, je suis parti du mauvais côté encore. Du coup, on va s'en occuper maintenant, comme ça allégera un petit peu le dernier épisode. Et puis, il est pas tant lié aux autres Pokémon, quoi. Et on l'avait déjà rencontré, je sais pas si vous vous rappelez, au Canyon. Comment ça s'appelait? Canyon. Granite Canyon, comme ça. Je sais plus où c'est exactement, par contre, le Granite Canyon. Je crois que c'est dans la région de Tyrone. Me semble, mais je suis plus sûr à 100%. Je ne suis plus sûr à 100%. On va voir ça. Granite Canyon. Ah bah ok, il faut aller au nord de l'Orange Village. On va passer par là. Et j'ai mis dresseuse en haut du labyrinthe de grotte. Ah oui, parce qu'il n'était pas marqué dans la liste des Pokémon légendaires. Donc la personne n'avait pas dû le trouver. N'avait pas dû le trouver. La personne qui avait fait le walkthrough, enfin le document dont je m'aide un peu. Eh bien, voilà. J'ai trouvé quelque chose qu'il n'a pas trouvé. Que dit-il de ça? Non, ouais, bah moi, du coup, je l'ai rajouté sur mon document. Je sais pas si c'est par là. Fais voir. Non. Je suis déjà dans Granite Canyon, en fait, ou pas? Je suis même pas sûr. Ah oui, il y avait 2 chemins. Mais. Ouais, mais si ça revient en même, ces 2 chemins, on est d'accord? C'est sûr ce Granite Canyon? J'ai mis ça, mais je suis sûr de moi. Ouais, je pense que oui, j'aurais. Franchement, je me serais pas amusé à me compliquer la tâche. Ah! Non, non, pas forcément, c'est pas forcément un indice. Ah, voilà, ici.
Oui, je me serais pas amusé à me compliquer la tâche en mode « Oh, tiens, c'est là-bas », et en fait, non. Bonsoir. Ah, merci. Merci bien. Et il y a un petit puzzle. J'ai pris à gauche, mais... Non. Et... Attendez. Je sais pas, je suis perdu, là. Ah oui, là, on est atterri là, à droite, c'était pas bon. Ok. Bon, bah, écoutez. Mais non, mais c'est... Meloetta ou c'est un méga gardien, ça? Non, je ne l'aurais pas marqué. J'aurais pas marqué si c'était pas un Meloetta. Tu sais pourquoi je suis ici? En fait, je suis ici pour m'entraîner avec Meloetta, qui est mon meilleur ami. Son rêve est de voyager à travers tout le monde. J'aimerais sortir avec elle, mais je ne peux pas quitter cet endroit pour le moment. Donc, je vais être un bon dresseur pour... Ah, mais... Ah, non, il va me défier. Ouais, niveau 62, parce qu'il est combien, Meloetta? Ah, j'ai pas marqué le niveau. Ah, mais oui, j'avais pas dû lancer le combat. Oui, oui, on va... On accepte le challenge pour contre Meloetta. On dit oui, évidemment. Meloetta, bonjour Meloetta. Niveau 65. Ok. Thunder Wave. Alors, on va sauvegarder, parce que j'ai oublié de le faire avant, évidemment. Un petit héros piqué. Je mange pas de pain. Oh, on est pas mal, là. On est pas mal, alors à voir. Je vous laisse 2-3 tours avec nous pour voir s'il a soin. Ah, il a guérison. Ça, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Bah du coup, j'ai envie de te dire, on va soigner Thunder Punch. Il a tout ce qu'il faut pas. On va remettre Sylvalier. On va sauvegarder. Il a utilisé une guérison. Elle en utilisera pas à l'infini, mais ce qui fait qu'elle a peut-être pas d'attaque pour se soigner du coup. C'est pas mal. Cette idée là est pas mal. Cross Shop, ok, ça va en fait. Non, on prend pas tant de dégâts. Ok, on est pas mal. On va sauvegarder ça. On va voir, hein, il va très probablement se soigner, à mon avis, elle n'a pas une seule guérison. Voilà. Donc, on va la paralyser. Toujours paralyser en premier, comme ça peut faire un tour où elle attaque pas, vous voyez. Et, ouh, on refait ça. Juste, n'aie pas des potions à l'infini. Ça fait sa troisième. Ça fait sa troisième. Cross-shop, ça va. Repiqué. On va faire coup critique comme tout à l'heure. Ok. Bon, bah, profitons-en. C'est une petite timer ball, hein. Ça mange... Oh! Mais non, c'est un... Ah, mais il faut le mettre KO! Oh là là! D'accord, j'ai pas compris ça, moi. On va le mettre KO aussi. On peut pas l'attraper. Donc, je sais pas pourquoi j'ai fait séisme, en réalité. Un bon plaquage des familles, ça aurait tout arrangé. J'ai pas saisi ça, vous voyez. Niveau 79, on monte de niveau parfois encore. Bien joué Challenger, tu es réussi. Il t'aime bien, elle veut partir avec toi, félicitations. Elle a rejoint l'équipe. D'accord, c'était 600. Ah, ah oui, non, du coup, il faut reprendre ce chemin-là. Celui-là, celui-là, celui-là. Mais non, il faut sortir. À un moment donné, on aura de sortir. Bon, on va s'arrêter là, enfin, je pense. En plus, pour Mew, de toute façon, j'ai toujours pas vérifié où on l'attrapait, donc on va pas vérifier ça. Puis je pense qu'on terminera tranquillement l'épisode prochain. Du coup, sur l'épisode 36. Voilà, ils sont tous là. On a attrapé 4 aujourd'hui. 4 sur 8. C'est pas terrible. Ah, et sur le trio, on a attrapé qu'un seul, le premier. Mais pourquoi l'autre, j'ai pas pu l'attraper? Il a fait Damoclès aussi? Ah non, j'ai fait coup critique. C'est le héros piqué coup critique, c'était sur lui. Bon, là, on s'est un peu rattrapé sur la fin. On a fait 3 à la suite. Mais le début, ouais, c'est assez malheureux. Bon. Ce qu'ils ont. Bon, on les a vus à peu près leurs attaques, mais j'aime bien regarder un peu. Ah, mais les combats, Meloetta. Ah, mais il y a différentes formes. Sûrement que les formes sont disponibles autre part. Hein. Je suis en train de me dire, mais bon, pour tomber dessus. Bon, j'ai pas mal exploré le jeu, hein, vraiment. Bon, j'ai tout fait avec vous et les zones, je les ai quasi toutes explorées, même, il me semble. On a fait plein de méga gardiens, mais j'ai pas vu d'autres dresseurs de Meloetta. Ouais. Ça, c'est un Pokémon qui attaque. Hein. Pas trop d'autres choses à faire que ça. On a 215 en attaque spéciale. Ça aussi, ça attaque. Hein. Ah, ça, c'est... Ouah, ce Pokémon légendaire impressionnant. Bref, on va cesser. Prochain épisode, au programme, on va faire... Qui est Keldeo, hein, qui tranquillement est toujours dans notre... Il va prendre un temps, encore un bon temps à éclore. Bon, Keldeo le temps qu'il arrive. Kyurem, Diancy, Meltan, Zacian, Zeraora, Magearna, Zamazenta, Necrozma. Je pense qu'on terminera par Necrozma, niveau 85 Necrozma. Ça sera du lourd. Ouais, Regigigas, si c'est niveau 85, on a réussi à attraper.
Bon, merci à tous d'avoir suivi cette 35e partie de Pokémon Nameless. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Pour la suite et fin de cette aventure. Ciao, ciao.